Bonjour à tous et bienvenue, je suis Format Lucifer Gaming et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui pour cet épisode 10 tout simplement des aventures donc du capitaine Hutcherson, notre aventure roleplay sur Star Trek Online. Donc précédemment on avait vu pas mal de choses dans le cadran Alpha, d'ailleurs je tiens à m'excuser de la fameuse bataille que je vais lancer qui ne s'est pas produite, tout simplement pourquoi parce que je pense à moins d'une erreur de ma part que j'ai confondu plusieurs chapitres. Je pense que la trame scénaristique des quêtes a été. Enfin des quêtes des missions a été changée en fait. Et de ce fait, ça m'a un peu surpris parce que je pensais justement que ça allait amener sur la bataille et ça l'a pas du tout fait. Et résultat, bon, j'ai dû m'adapter. Encore une fois, désolé, donc là on devrait avoir un petit peu plus en tout cas de ce côté-là. Mais c'est vrai que du coup la grosse scène épique que je pensais arriver, elle est pas arrivée. Mais c'est pas grave, on s'adapte, comme dirait l'autre, the show must go on, on est parti, on est parfait. Et du coup, sans plus tarder, démarrage épisode 10. Ah, cette petite semaine de vacances sur Ivza me fait le plus grand bien. Et maintenant, retrouver toutes ces personnes et me détendre tout simplement au bar du Space Club que du jour, au club discothèque du Space Club de la Terre, me fait le plus grand bien. Je vais prendre 3 galops et ensuite je verrai sûrement sur la terre pour je vais dire voir de la famille mais non, pas plus. Du coup pour tout simplement me détendre et voyager. C'est pas mal que je retourne à Paris, même à Londres. En tout cas, ce qu'ils ont fait du bar ici, ce qu'ils ont fait de la station est vraiment bien. Parce que ce bar ajoute une touche vraiment détente et j'ai plus l'impression d'être à Paris. Et même si la musique est assez particulière, sans vouloir passer pour un gros con, et bien en tout cas, c'est plus que sympathique de voir tous ces gens qui oublient tout simplement les tracas du quotidien. Oh non, le communicateur, c'est pas vrai. Bon. Et Gerson, j'écoute. Oui. Et comment dire sans garde, oui. Oui, je vous entends. Oui, tiens, oui du bruit, bah désolé, je suis au club 47. Oui, je suis en train de boire, je vois pas en quoi ça me regarde. Bon, écoutez, c'est pas la peine de crier comme ça, de toute façon, je n'entends rien. Je vais juste m'éloigner et sortir et on va reprendre cette communication. Ok, je vous écoute, sans rien. Un message en attente, vous me dites? Ok, il vient d'où ce message d'amiral? J'espère que c'est la mission de 5 ans qui nous a été promise qui va arriver. Capitaine Martin, vous me dites? J'ai jamais entendu parler. Ok, bon bah... j'ai envie de dire faites le rappeler en avance, comme ça du coup on gagnera du temps si jamais il faut se dépêcher de partir. Mais rien de brusque, hein, c'est-à-dire qu'on part pas dans la minute sans garde, d'accord? Et je fais au plus vite pour rejoindre le vaisseau. Oui, il faut d'abord que je passe reprendre mon uniforme. Voilà. A tout de suite. Et dire ça va me terminer. Bon sang. Allez. Piquons un sprint. Bon sang, ils auraient pu foutre le tailleur à côté du téléporteur, sans déconner. Ok, c'est bon, yeah. On va prendre un peu. Ok. Ça manque les petites sonnettes comme il y avait dans le temps, les boutiques. Ah, monsieur le tailleur, je viens récupérer la combinaison que je vous ai donnée. Ouais, il y a beaucoup de sang de gardation à éponger, je me doute. Ok, je peux vous laisser mon uniforme en attendant. Comme ça, du coup, je passerai le reprendre la prochaine fois que j'aurai une permission. Sûrement dans 10 ans. Ok, merci. Bon, en tout cas, parfait. Et aussi propre que comme si elle était neuve. Je vous remercie, monsieur Taylor. A bientôt. Ouais, direction le téléporteur en petite foulée. Eh bien, je suis crétin, techniquement parlant, je peux me faire téléporter.
Garson à l'USS Lisboa. Ah, téléporté. Ok, regarde. Je suis là. J'espère que tout le monde a pu profiter de ses vacances, même si elles ont été un peu raccourcies. En tout cas, je suis ravi de voir que vous êtes tous là au complet. Pas d'absent dans mon équipe de passerelle, c'est déjà le plus important. Ok, Stronger. Mettez-moi sur l'écran le capitaine Martin. Capitaine Nicolas Martin, enchanté, je suis le capitaine Zalta Rudgerson. Vous avez cherché à me contacter? Alors, vous me dites avoir besoin d'un équipage et d'un vaisseau capable d'observer voilà, d'observer l'activité Borg. Ça marche. Ok. Ordre de l'amiral, je suppose. D'accord. Et en plus, c'est en territoire du Talfien, vous me dites. Ok. Bah, nous prendrons mieux. Bah, écoutez, là pour l'instant, mon équipage et moi-même étions en permission pour 2 semaines. Nous allons donc écourter cette permission, je rappelle tout le monde. Et dès que nous pouvons appareiller, je vous ferai signe. Je vous ferai signaler par message, Subspatial. Je n'ai pas encore les coordonnées en tête, il faut que j'établisse le cap, mais je suppose qu'il nous faudra plusieurs jours pour rejoindre le secteur. Plus de Garson, terminé. Non! Eh bien, son garde, vous avez gagné, les vacances sont raccourcies. Alors, du coup, je veux que tout le monde soit bord d'ici 10 minutes, départ dans 15, d'accord? Scarine, je veux que tous les moteurs soient opérationnels. Où est Scarine? Scarine, je veux que tous les moteurs soient opérationnels d'ici 10 minutes, d'accord. Vous avez 10 minutes, le temps que l'équipage monte pour faire les check-up, voir si tous les ingénieurs ont bien installé ce qu'il fallait. Et ensuite, il y aura 5 minutes de chauffe, d'accord. Très bien. 10 mètres, il faudra préparer les messages subspatiaux pour effectivement notre départ. Vous vérifiez avec tout simplement, enfin, signaler à l'amiral que nous partons et signaler effectivement au capitaine Martin que nous sommes en route. Et enfin, Smith, du coup, qui est, vous êtes là-bas, il me faut absolument que tout le monde soit provisionné, d'accord? Donc du coup, vous avez 10 minutes pour rassembler l'équipement. Et 5 minutes le temps que Skyrim fasse chauffer les moteurs, d'accord? Donc en gros, là, il y a déjà 2 minutes qui sont passées. Donc vous avez exactement 13 minutes pour que tout soit prêt. C'est bien compris tout le monde? Très bien. Strongheart, la passerelle est à vous. Je vais mettre à jour le journal de bord. Ordinateur, cloisonner mes quartiers. Ok. Journal de bord du capitaine Zalta Harwis Garson. Date salaire 87665.5. L'équipage et moi-même, après nos faits d'armes dans le secteur Cardassian, et après avoir bien porté assistance à la station Deep Space Nine, avons reçu 2 semaines de permission de la part de l'amiral. Nous sommes donc retournés sur Terre. Et là-bas, bah déjà une promotion m'attendait pour tout simplement ses faits d'armes et le reste. Je suis donc à présent un capitaine officiel de Starfleet. Oui, je n'étais qu'au grade de commandeur jusqu'à présent. Même si j'avais la charge de capitaine de vaisseau. Voilà. Enfin, du coup, pour accompagner cette promotion, un nouveau vaisseau nous avait été échu. Le précédent a dû... je sais pas ce qu'il va devenir, mais je pense qu'il sera utilisé d'abord pour les nouveaux capitaines, pour les mettre en selle, et ensuite il y aura directement la casse. Du coup, nous avons hérité d'un croiseur d'exploration, un navire encore plus grand que le précédent, plus puissant également, plus armé, du nom de l'USS Lisboa. A priori, d'après ce que j'en sais, c'est le même modèle qui a servi au capitaine Picard lors de ses explorations. Sauf que nous, c'est un modèle Envoy et lui, il avait un modèle Galaxy. Voilà pour la petite histoire. Concernant les promotions de l'équipage de bord, Strongheart a été nommé commandeur. Mon officier en second, j'ai estimé qu'il était temps qu'effectivement elle prenne cette charge.
Il n'y a plus qu'un pas jusqu'à la charge du capitaine, mais elle est encore un peu trop brusque pour cela. Néanmoins, ses compétences tactiques et de combat ne sont plus à démontrer. Il reste donc à apprendre tout simplement auprès de moi comment, on va dire, mieux gérer les équipages. Et je pense que ce point lui posera énormément de soucis à l'avenir. Skaverin, lui, a hérité de la charge de commandeur également pour simplement ses services rendus en tant qu'ingénieur à bord de ce vaisseau. C'est un ingénieur exceptionnel, j'ai déjà dit, mais dans le secteur 45, il nous a été plus d'une fois utile. À des endroits où justement nous étions trop loin pour ravitailler ou pour réparer, il a réussi à maintenir le vaisseau et sans jamais avoir une seule perte humaine. Et en ça, je le félicite. Timet et Smith, eux, ont été nommés lieutenant-commandeur. J'imagine mal ces deux-là passer un grade au-dessus. Peut-être Timet, à la limite, ses connaissances en sciences et en médecine lui permettront sûrement d'aller loin. Néanmoins, comme Stangard, elle démontre un problème d'empathie et un problème tout simplement de gestion de l'équipage. Son équipe scientifique a souvent des griefs contre elle, et notamment le côté bosser 24h sur 24. De ce côté-là, ils sont assez similaires avec Stangard. Néanmoins, contrairement à Smith, elle n'a pas la mauvaise réputation. Et ça, c'est un plus pour elle. Je pense que si elle arrivait à s'associer de ce côté-là, elle arriverait assez loin. Smith, quant à lui, a trop, on va dire, de casseroles qui lui traînent derrière. Trop de squelettes dans son placard. Malheureusement, ses relations me servent, mais elle lui dessert. Mais c'est pas grave, je le garderai avec moi. Il est assuré d'avoir un poste avec moi et un poste à vie. C'est mieux que le trou de la cellule dans lequel j'ai trouvé. Voilà, voilà. La mission maintenant demande d'aller dans le bloc secteur Sirius, dans le système Bergus, donc à mon avis de ce côté-là. Il n'est pas exactement la localisation exacte, nous verrons ça quand nous serons en route. C'est un voyage qui nous prendra facilement, plusieurs jours, peut-être une semaine. J'espère aller plus vite en poussant les moteurs, mais ce n'est pas garanti. Il est maintenant l'heure de passer au départ, de lever le rang. Et dire ça ne termine. Bien. On se regarde, tout le monde d'abord. Parfait. Dernier appel pendant que les moteurs chauffent. Vérifiez que tout le monde est bien d'abord et à son poste. Skyrim, ils en sont où ces moteurs? Alors, il a démarré, c'est comme ça que je vous aime. L'approvisionnement, il est fait, armement chargé, provisions chargées, impeccable, tout ce qu'on aime. Et enfin Timet, pareil, envoyer mes messages, et bien c'est parfait. Du coup pilote, sortez-nous du space dock. Et sortez-nous du système solaire également. Déjà, sortez-nous du space dock, nous verrons après où on sort. En avant. Ok, Timet, envoyez un message à l'appontage. Nous avons la permission de partir, très bien, donc dégagez-nous de là. Envoyez-moi un message à l'amiral pour lui dire que nous partons. Enseigne, pleine impulsion. Essayez de ne pas faire de collision avec des vaisseaux, vous serez gentil. Dès que le terrain est dégagé, distorsion. Très bien, pilote. Alors, établissons un cap pour notre système Bergus dans le secteur OTEP. Et bien, ce n'est pas la porte à côté. Manager les moteurs pour l'instant, nous verrons après si nous devons accélérer. Timet, est-ce que la communication substantielle est prête à partir pour le capitaine Martin? Très bien, je m'en occupe. Donc, ici, Udgerson pour le capitaine Martin. L'USS Lisboa et son équipage se mettent en route, temps estimé d'arriver environ, pilote, 3 jours. Nous essayons de faire au plus vite. Si jamais vous avez d'autres informations ou besoin d'aide plus rapidement, signalez-le par communication subspatiale et nous mettrons le turbo. Et dire ça en lien. Bien, Strongheart à présent, ouvrez-moi un canal pour l'équipage. Ici le capitaine Udgerson. Comme vous avez vu, la permission qui nous avait été accordée a été écourtée.
Et pour cause, nous devons nous rendre tout simplement dans le secteur Borg. Apparemment, il y a dans le secteur Borg, pardon. Apparemment, il y a eu un regain d'activité chez les Borg et cela inquiète le haut commandement. Nous avons donc reçu l'ordre d'assister tout simplement à un autre vaisseau commandé par le capitaine Martin. Le voyage prendra environ 3 jours pour rejoindre le secteur Borg. Je vous suggère de faire le nécessaire et de préparer ce qu'il y a à préparer et d'être fin prêt pour notre arrivée dans le système contrôlé par les Borg. C'est un ennemi difficile. Chacun d'entre vous, je le sais, tout comme moi, grince des dents dès l'instant où quelqu'un prononce le mot Borg. Néanmoins, c'est une menace qui doit être éliminée pour le bien de la Fédération. Je ne saurais trop vous dire que, évidemment, tout le monde à la Fédération a les yeux rivés sur nous. Et sachez, tout simplement, que si, effectivement, cette permission qu'on vous a accordée a été écourtée, c'est parce qu'on estime que vous êtes le meilleur équipage. Nous irons donc faire notre devoir, et si effectivement il nous reste du temps après, nous prendrons donc les jours de permission qui nous restent, qui nous seront amplement mérités. Bon courage à tous, et que Dieu nous garde. Udgerson, terminé. Journal de bord du capitaine Salter Awis Udgerson. Test CLR 87671.02. Après un voyage de plusieurs jours, nous avons enfin passé les limites du secteur Borg. Nous entrons à présent dans le secteur Aligny et le système que nous devons atteindre est droit devant nous. L'attention est en son comble à bord. Chacun n'a que de mauvais souvenirs de la dernière fois où la Fédération a dû affronter les Borg. Et je redoute ce qu'il peut se passer. Néanmoins, je sens que l'équipage est prêt pour toute menace. Et je me dis que cette semaine de permission leur a fait le plus grand bien. Et dire ça n'est terminé. Ok, Strongheart, établissez-moi un canal pour l'équipage. Ici le capitaine Udgerson pour l'équipage. Nous allons bientôt arriver dans le système Bergus. Ce système semble contrôlé par les Borg. Donc nous allons faire en sorte d'éviter tout affrontement. Néanmoins, l'affrontement est une chose possible avec les Borg. Nous ferons donc notre devoir, mais si jamais il le faut, nous battrons en retraite. Soyez tous sur vos gardes. Faites le meilleur de vous-même et normalement, nous en sortirons tous. Udgerson, terminé. Enseigne, ralentissez. Il faut atteindre la ceinture d'astéroïdes. Attention, éviter les rochers. Ok, nous recevons un message des Romuliens. De la République Romulienne. Il faut absolument les aider. Nous recevons votre message, commandeur, et arrivons immédiatement. Alerte rouge, tout le monde. On garde sa volonté. Il faut absolument empêcher ces sons de toucher les vaisseaux Romuliens. Bon, il est assez loin. Deux torpilles arrière. Suffisant de pouvoir au bouclier. Alors, isez la coque, vite. Impeccable. Pas volonté de rien. C'est vrai, il lance les attaques. Of compromise the integrity of the collective, prepare to be assimilated. Resistance is futile. Message des Borg. Ok, très bien. Oh, un cube! Toute puissance au bouclier, et il faut pas déconner. Regarde, faible volonté sur les étapes. Kevin, envoie quelques ingénieurs démonter cette salope.
feu pour les torpilles. Ok, parfait, ils ont activé les systèmes. Feu. Bien joué. Extrêmement bien joué. Surviving officers to the main science lab. If you can hear this, I formally request assistance. If there is no one who can respond to this message, then may we die with honor. Ok, il faut absolument y assister. Son regard, tu veux tout le monde, toute l'équipe de passerelle à la salle de téléportation. Pilote à vos commandes. Si jamais il y a un souci, vous n'hésitez pas à faire feu, même avec nous à bord. Très bien, capitaine, restez là où vous êtes, nous arrivons. Ok, tout le monde. Là, ce sont des Borg, donc on laisse tomber les tactiques de Starfleet habituelles, vous visez pour tuer. En avant. Je vois deux anomalies dans le secteur. Des modulateurs de fréquence, d'accord. There should be enough remodulators in that crate for your entire way team. If you ever need more, you should be able to replicate them easily enough. Ok, tout le monde, on s'équipe. Tout le monde prend son petit remodulateur de fréquence. Pensez bien que ce ne sont plus des Romuliens, ce ne sont plus des êtres vivants, ce sont des Borg. Donc vous tirez pour tuer. Attention à ce qu'il ne touche pas, la Jacksonite ça peut aller très vite. Ok, je ne vois plus d'ennemis. Particules de tauron, parfait, on va les ramasser. Ça peut toujours servir. Alors, a priori, il y a une console qui permet... Voilà.
Ok, tout le monde dort. Thank you so much for saving us. The Tal Shiar are using us as test subjects in their experiments. Borg technology. Only a few of us survived their investigations. I know that they'll do anything to preserve their empire. And I've seen with my own eyes what they and the Elanji did to the outlying colonies. But I didn't think they would be this cruel to their own people. Pas de soucis, vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité à présent. Bon, voyons ce que disent les scanners. Apparemment, il y en a encore à celle des machines, si c'est bien ça. Il va falloir s'y déplacer. Où la sécurité. Ok, une console ici. The Borg have disabled the force fields guarding the science lab. We've managed to fend off the Ok, on y va. Avant, vite. Dieu. De volonté. Ok, permettez de lui. Des particules de thon. Ok. Le prisonnier nous a dit qu'il avait été utilisé par le Starship, par le Talshire pour des expériences. Peut-être les mêmes expériences que nous avons eues dans les hameaux de Hakil. Il y a peut-être un lien entre tout ça. Ok, fais la volonté. Il en vient de partout. Ok, ça a l'air d'être le dernier. Scanner show no further Borg presence aboard. Thank you for your aid, but I must ask you to return to your ship at once. Our research here is critical to the survival of the Romulan Star Empire. I cannot share these secrets, even with our rescuers. Best for Tertia? Qu'est-ce que vous essayez de cacher exactement? C'est que c'était la République romulienne, comme quoi on s'est fait avoir. We
are studying salvaged Borg devices. Bear in mind that this technology is now the sovereign property of the Romulan Star Empire. My engineers tell me that our engines are online. So your further presence aboard my ship is neither necessary nor desirable. For your own safety, I advise you to leave and to forget what you have seen here. Smith, pour utiliser votre langage, je dirais qu'on s'est fait enfler. Ok. Et Gerson pour l'USS Lisboa. 5 à téléporter. Waldron approaching at speed. Essential repairs to our singularity drive are almost complete. If you can occupy the Borg and give us the time we need, I will overlook your intrusion on our classified research. On vous laissera pas vous échapper avec la technologie Borg, c'est trop dangereux. Si vous voulez, au moins vous ne ferez plus de mal à personne. Ingénieur, celle d'ingénierie. C'est vraiment ces boucliers. Your odds of survival are infinitesimal. You cannot defeat us. Surrender now, and we will add your biological and technological distinctiveness to our own. Quoi est-ce toujours? Responding to a distress call from an IRW RNA. Normally we wouldn't provide assistance to the Tal Shiar, but Borg are a threat to all of us. However, you appear to have things well in hand. Do you require assistance? Et effectivement, commandeur, nous aimerions toute aide que vous pourriez nous apporter. Elle sera la bienvenue. Bon sang, dernier. Ah oui, arrête, le tracteur sur lui. J'aurais sorti un peu sur. On est chaud aux fesses.
Très bien. Ramassez ce que vous pourrez et ensuite nous partions. Et ben, on a eu chaud aux fesses. Très bien. Pilote, quittons ce système de valeur. Quelqu'un qui nous aurait sauvé, un vaisseau dans le système iconien. D'accord. Eh bien, quittons le système. Ok, mettez-moi le capitaine Martin sur écran. Nous devons lui faire un rapport. Oui, c'est également ce que je pense. Néanmoins, la preuve que le Tal Shiar ne travaillait pas, mais en tout cas récupérer des morceaux de bord nous a été déjà transmise à l'amirauté. Bien, moi aussi capitaine, je pensais qu'effectivement tout ça avait été réglé. Je suis d'ailleurs en liaison avec un capitaine Romulien, il m'avait pourtant assuré que c'était en bonne voie. Comme quoi, tout n'est pas fini. Ça sera pas notre dernière rencontre avec les Borg, effectivement non plus, j'en ai bien peur. Eh bien, je vous remercie capitaine. Je vous tiens informé pour le reste. Et tenez-moi au courant si vous avez besoin de plus d'assistance. Garçon, très bien les enfants, c'est bien joué. Ils ont espié plus que de gros dégâts, mais compte tenu que c'était les bords, on s'en est plutôt bien sortis. Ce qu'il y a vrai, nous faut distraire les ingénieurs, ils ont réussi à maintenir le vaisseau à flot. Si on regarde, s'il y a des pertes, je veux la liste des personnes justement disparues ou mortes. Tout simplement sur l'ordinateur de mes quartiers. Antimètre, tenez-vous à l'affût de toute transmission. Il faut savoir si effectivement il y a d'autres personnes qui ont besoin d'aide ou si tout simplement les Borg nous courent après. Nous sommes à présent également à la cible du Tal Shiar pour avoir mis un terme, enfin en tout cas, les avoir empêchés de poursuivre ses recherches ici. Donc faites bien attention à vous, les vaisseaux occulteurs ne pourraient pas être très très loin. Sur ce, la passerelle est à vous, son garde. Journal de bord du capitaine Zalta Awis Ungerson, annexe. Nous avons mené un rude combat dans le système Bergus et nous avons sauvé un vaisseau. Nous pensions d'abord qu'il appartenait à la République Romienne, mais nous avons été trompés. Il s'agissait en fait d'un vaisseau du Tal Shiar. Néanmoins, notre code Chesterfleet nous implique de sauver tout vaisseau. Cependant, une fois à l'intérieur, il était assez clair que ce vaisseau était là pour, tout simplement, récupérer du matériel de Borg et faire de l'expérience dessus. Il y avait d'ailleurs plusieurs prisonniers que nous avons récupérés et transférés à bord d'un autre vaisseau qui était là et avait été victime d'expérimentation. Une fois sa peau sauvée, la commandeur de ce vaisseau n'a rien caché du tout de ce qu'il faisait là et nous a même menacé. Nous sommes donc partis. Mais pas avant de lui dérober toutes ses recherches. Nous avons dû détruire son vaisseau, après qu'elle se soit retournée contre nous en plein combat contre un cube Borg. Nous devons notre survie qu'à l'apparition d'un vaisseau de la République Romulienne et d'un autre vaisseau non identifié. Ce secteur sera rude. Malheureusement, j'ai l'impression que même notre meilleur vaisseau actuellement en notre possession, ne pourrait pas rester très très longtemps dans ce secteur. Nous allons devoir faire des petites escarmouches et frapper vite, fort et nous tirer vite fait. Si nous voulons rester en vie. Ou alors, nous deviendrons tous des sujets du collectif. Edgarson terminé.